Bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Désolé pour cette micro-interruption du stream de la nuit. Allô. Nous étions aux prises avec ce boss qui faisait le café et qui était doublé par Jean-Michel gueule de bois. C'était là genre eh mais alors, mais moi je me Master Chief hein. Comment? Allô. Aïe aïe aïe, ça fait bien bien mal hein. J'avoue que là il nous boot hors de chez lui en mode tu t'es incrusté dans la mauvaise soirée. Tu n'as rien vu. Tes remords? Oui. T'as pas des remords? C'était nul. Et toi? Mais alors, est-ce qu'il faut attendre que son bouclier explose quand Cortana dit c'est bon, hein, tuez-le? Je sais pas, moi j'ai rien attendu pour lui sauter dessus. Voici la cible, descendez-le. Oui, mais ok, bah, je le descends, t'inquiète. Ah. Mais tu lui fous vraiment des vieux pains dans la gueule, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait le plus mal dans les armes qu'on a? C'est une pêche. Oh mais là tu peux remaker cette séquence 10 000 fois, ce sera toujours débile. Fais gaffe, y'a les gars avec les épées qui se pointent. Sale humain. Ah non, et c'est toi qui es sale, hein. Je sais pas si t'as vu ta gueule, mais... Pouh. On dirait un sexe de chien. Oh oui. Bouffe ta mère. Il est mort. Il est mort. Mauvaise nouvelle. Les tentons nous tournent autour. Le feu s'apprête à tirer sur notre position. Filons d'ici. Eh ben très bien. Dommage qu'il n'y ait pas une cinématique spéciale du pain dans ta gueule, quoi. Bon, ça y est, là, les prophètes, ils sont venus pour foutre la merde, là. Ils aiment pas ça, quoi. Ils aiment pas ce qui se passe. De toute façon, ils étaient partis pour le niquer, le prophète. Oui, je crois, oui. Ah merde, j'aurais dû prendre son fauteuil pour la prochaine mission, c'est vrai, vous avez raison. Ah merde. Les titans vont m'aider à battre l'Olympe. Oh là là, il se passe des trucs. Non, désolé, Saisco, c'est vrai que tu m'as envoyé un nouvel overlay, mais il était en JPG. Et j'ai besoin d'un PNG parce que la transparence sur OBS, c'est pas terrible. Hein. Donc, il vaut mieux avoir le PNG directement transparent. Quoi. Quelle utilité d'un rayon de la mort si on peut fuir en courant? C'est pas faux, mais c'est une arme très avancée. Hein. C'est les Covenants. Effectivement, c'est inconvenant. Mmh. Alors, il va se passer des trucs fous. Edouard, hein. Je sais pas si tu as vu des hentai aussi célèbres que Urotsuki Doji, mais je pense que là, tu vas prendre beaucoup de choses. Pendant ce temps, l'arbitre à terre. Oh, bah, belle ambiance, putain. Destitue les élites qui protégeaient ouais. Le prophète de merde, je sais pas quoi. Ouais. C'est inacceptable. Je crois pas. Un hiérarque est mort, commandant. Oh putain, j'ai failli foutre de l'eau partout sur mon PC. Vous n'avez pas rappelé les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision. Non, très simple. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale. Mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Oh ! Je voudrais connaître votre décision au conseil. Ah oui, c'est ça, c'est que maintenant, c'est les brutes.
Mais c'est ça, c'est... Comme on l'a vu, tel le prophète, qui était protégé par des élites, le conseil veut plus être protégé par les élites. Les élites ont menacé de partir, de quitter le grand conseil à cause de ce petit changement de fonction. Nous vous avons toujours protégé. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'élimination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur, nous avons continué à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et donc eux, c'est pas juste des élites très très moches, c'est vraiment le royaume, le peuple des Sicilies. C'est une autre race. Son vent divin balayera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus? Longtemps, nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux, l'oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions, et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'icône sacrée. Waouh! Tout le monde veut l'index pour le mettre là où je pense. Le salut de tous est le début du grand voyage. Je ne veux pas faire attendre les hiérarques. Cet humain qui a tué le prophète du regret. Qui est-il? À votre avis, le démon est ici? Pourquoi? On veut peut-être se venger. Je n'ai qu'un objectif, récupérer l'icône. Bien sûr. Sa chambre! Quand tu auras tiré sur l'index, tu lâcheras le vent divin. Oui, des renforts peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez le bouclier, Peter. Je reviendrai quand vous aurez terminé. Attends, c'était quoi ce délire? Ça ne ressemble pas du tout là où on était il y a 2 secondes dans la vue cinématique. Non, pas du tout. Oh là là, ils ont un peu pété un câble là sur la... What the fuck? Alors qu'est-ce qu'on fout là? On est parti chercher l'index. Ouais. On va se taper du zombler. Oh non, ne me dis pas qu'il y a les floutes dans la bibliothèque. En hommage à la meilleure mission du premier jeu. Je crois qu'il faut sauter dans cette espèce de trou. Hein. Voilà. Ah mais on a des renforts. Alors moi ça s'est refermé derrière. Allô, merci la guerre, éteint l'aideron. La gueuse, tu es un aideron, pardon. Je lis très mal. Alors attends. Bon, je fais quoi maintenant? Ça t'a pas téléporté avec moi? Non. Super. Pourtant je viens de passer un point de contrôle. Et moi je sais pas, je me bats contre des trucs à l'infini là, je ne sais pas gros. Et... Ça sert à rien de les tuer les petits trucs là. J'accepte mon sort. Hein. Mais ça va bien te téléporter avec moi à un moment. Wheeze! Wheeze! T'es toujours pas avec moi? Putain, ça me rappelle la poudre de cheminette dans Harry Potter 2. Bah écoute, là je suis descendu du truc. Voilà, j'ouvre ça, je redescends dedans. Je me mets invisible. Ah bah c'était dégueulasse. Regardez, là on se croirait vraiment dans des jeux qui ont 3 ans de plus que... Voire 5 ans de plus que ce Halo quoi. Mais ouvrez ça, mais bordel, mais... Mais
ça ni queue ni tête quoi. Moi je progresse hein. Je vois ça mais ça... qu'est-ce qui se passe là? Je passe derrière toi, je... D'accord, je trouve des capotes trouées, je m'inquiète pas, voilà, un test du VIH. Nickel, pas de problème. Tiens, ben voilà. Et les tupas, ils sont avec nous. Ah mais oui, mais attends, ça fait 3 heures là qu'on bute que des mecs moches. Désolé, moche. De portail il dit des portaux non il y a un gros gars qui me dit arrête le pauvre. Mais putain mais qu'est-ce qu'il fout en avance de nous quoi, c'est pourquoi le mec il a l'avant-garde quoi. On s'en prend quelques tirs de derrière. On s'en fout, on peut progresser, les ignorer. Et voilà, un beau boss. Non ! Oh putain, le truc s'est refermé sur moi. Oh là là, mais ce niveau, mais quel est son intérêt ? Qui a créé ça ? Oh putain, faut faire quoi avec ce truc ? Faut le prendre de derrière, donc vas-y, je la tire, tire-lui dessus. Tire-lui dans les fesses. Bon, il se retourne vers moi. Wow. Putain, ça me rappelle un boss, t'as Destiny, ça. Tu sais, il y a un boss, c'est une espèce de grosse merde, là. Et tu peux te foutre au snipe de loin et il a un espèce de bouclier qui lui tourne autour hein, et t'as quelques angles morts mais pas tous. Ah oui, c'est le Lexus. Oui. Ça devient de la grosse merde quand tu le fais pour la 30e fois. Oui. Surtout que dans toutes les missions, dans tous les assauts de la semaine, il doit y être. Mais je ne comprends rien de ce qu'on prend, le bordel. Mais on descend, mais c'est indécent. Je clique. Oui. Mais c'est plus beau dans l'ancien, what the fuck? Bah non, quand même. Bah... J'ai failli mourir. Dans la corniche devant. Non, le petit bonhomme, monte dans l'usine galop. Il en faut peu pour être heureux. Ah merde, encore un masticot possédé là. Non, mais nous on tire pas dessus, tu vas gâcher tes munitions. De toute façon, il va pas nous attaquer. Mais voilà, mais il est fragile, il est en mousse le truc. Oh putain, c'est quoi ça? Lui, et voilà, paradis, flood, youpi, youpi. Oh non, mais non, mais pas du flood. Mais attends, mais c'est comme ça qu'ils introduisent le flood dans le jeu, quoi, genre, bonjour, en blague, quoi. Ouais. Mais c'est à chier. Je suis mort, si ça t'intéresse. Bah ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait que tu le sois pas, mais... Oh, que c'est Là. On fait la même là? Ouais. Non. C'est toi qui me tire dessus? Non. Ah non. D'accord. C'est qu'en fait tu peux te planquer comme ça. Comment? Bah dans le petit escalier là sur le côté. Là comme ça t'es un poil protégé. Il y en a un autre de l'autre côté en fait. D'accord. J'espère que t'es content. Alors j'ai reçu un overlay en
PNG. Attendez. J'essaye de remplacer l'overlay, bon c'est pas grave. Et tu vois, finalement le boss il est là quand même. Ah bon? Bah oui, du coup il nous fait chier. Il faut le tirer dans les pattes, c'est pas grave. Merde. Alors, est-ce que je vais... Est pas là. Quoi? Si, regarde, là, j'en ai vu. Merde, y'a rien à faire, là. Mais par contre, ils sont assez ouf, hein. Sérieux? C'est surtout les petits trucs, les petits robots qui font mal. Le truc c'est qu'il faut en prendre un pour taper sur les autres. Merci Yogan. Merci Logan. J'ai trop envie de te sucer, voilà ta gueule, merci. Ok, merci. Oh putain, j'en prends plein le cul. Moi aussi. Je suis mouru. Ok. Sérieux, mais mourez. Je suis reparu, je suis réapparu. Putain, mais si t'as pas The Arm, c'est mort quoi, y'a pas de jeu quoi. Bon. Il va être donc, ouais. Et maintenant, il en vient encore. Oh putain, mais. Ah. C'est fou, hein. Pour l'instant le level design était supérieur à Halo 1 quoi. Merde, j'ai plus de balles. Mon cœur, j'ai plus grand chose. Fuyant la visible en espérant trouver des balles. Ah d'accord, ça devait être à toi parce qu'il est vide. Voilà. Oh là, mais j'ai rien pour les buter eux quoi. Franchement, il meurt pas quoi. Oh. T'es mort? Oui. Oui, là j'ai plus rien là. Mais genre le mais oui, c'est vrai qu'on a un camouflage. Alors attends. Merde, putain, j'allais changer le Donne-moi ton arme, enculé. Merci. Alors, j'ai pris le truc dans la gueule, mais ça me va. Mais est-ce que cette map est bien? Bien. Va dans la petite ouverture à gauche, faut pas tous les tuer. Je suis là. Et après faut juste courir, qu'est-ce qui se passe? Ouais bah moi je trace. Un camouflage et je trace. Vas-y, ouais on s'est mis invisible. Bah, c'est pas le meilleur niveau du jeu, pourquoi? Parce que c'est une putain de bibliothèque avec des floues dedans. C'est-à-dire que bon. On a vu mieux quoi dans le genre. On a aussi vu moins bien. Parce que bah oui, c'est moins bien quand même. Enfin, c'est mieux que dans le 1, mais c'est de toute façon une idée de merde. Ah, il y a quelqu'un qui est en mode il se passe un truc. Et je pense qu'on va croiser des humains là. Oh là là, j'ai déjà plus de munitions, ma vieille.
Cam... Mais what? Ah mais t'inquiète. Je vais y aller en mode Destiny speedrun. Regarde mes skills de Destiny. Hop. Voilà, donc j'ai failli crever. Ah c'est bon, le fusil à pompe est quand même bien différent. Mais je pense que ceux qui ont des mitraillettes, faut les défoncer parce que... J'ai tombé. Non mais je pense qu'il faut y aller en camouflage surtout. Regarde. Là, ils savent pas où je suis. Voilà, je ferme mon café. On laisse recharger le bouclier, le truc. Vas-y, non mais par contre, recharge-toi pour de vrai. Mais attends, mais pourquoi... D'où le mec il est invincible comme ça? Je meurs en une seconde. Alors attends, vas-y. Ne meurs pas tout de suite, je vais essayer de remplacer le... Vas-y, vas-y. J'avance pas, vu que le je suis layout. Mort. Oh putain, attends. Oh oui, c'est gagné. Bon alors, c'est quand même le layout de l'austérité, hein, mais... On remercie quand même notre ami... Putain, je suis en train de dire de la merde. Eh mais regarde, Edouard, il loge plus dedans. Hop. Voilà. Clac. En fait, non, c'est moi que je devrais mettre en webcam là. Comme ça. Et du coup, Edouard, on le met là. En mode, il nous aide. Voilà. Sauf que, du coup, la webcam, faudrait que je la retourne. Pour que je regarde quand même un peu le jeu. Et comme ça, je peux la laisser comme elle était. Voilà. Oh là là, regardez ça, c'est beau. Merci beaucoup, donc, mon ami Saisco Design. Voilà. Donc, je te fave ton tweet, comme ça, tu resteras dans les annales. Comme Jesse Volt, non? Cet homme n'a pas l'âge de regarder du porno, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, oui. On en est où là? Tu as fait le café ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, on est toujours au même point. Ah d'accord, merde, dommage. T'aurais pu jouer tout seul, hein? Oui. Regarde là, pouf! Comme ils sont bien calmés. Oh mais moi c'est souvent les couilles qui explosent. Tu es solo. Mais c'est pas grave. De toute façon ils se battent entre eux donc... Putain j'étais là, bordel c'est moche quand même, ça doit être l'ancien quoi. Non. Oui, non. Oui. Que se passe-t-il? Ah faut tuer le gros là je crois. Avec les floutes autour, mais ça va être galère. J'ai l'impression que le fusil à pompe est moins cool hein, quand même. Hein, que dans le 1. En tout cas il est plus beau, il ressemble plus à un vrai fusil à pompe que dans le 4. Là, ou dans le 5 même, où le, là c'est juste une carte à puce. Ah oh, mais ils ont des... Mais non, on revient là. Alors attends, on a remarqué que là, il suffisait de rien faire pour faire le café. Voilà, bravo. Ah bah au moins je suis passé de l'autre côté. Go. Oui, bravo, bravo, oui, oui, j'ai gagné. Oh, mais bordel, c'est pas sécurisé, ça. Ta mère. Ah, on nous dit t'es pas obligé de tuer le mec. Alors, à mon avis, c'est à gauche et tu continues après. Au bourg derrière, là. Voilà. Et là, tu continues en face. Et je pense que là, c'est bon. Et là, c'est gagné, oui. Voilà, c'est le niveau exprès Destiny.
Mais où est l'intérêt de faire ce qu'on fait, putain? Vous avez créé un moteur avec des putains de véhicules, bordel. Non mais on les garde pour Halo 3 et Halo 4. Et encore, et encore. Merde. Oh là, moi j'ai tracé hein. Moi j'ai vu ça. Je me remets invisible. Oh là là. Ta 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 ta. C'est l'enjaillement. C'est l'enjaillement. Je rappelle qu'on est en difficulté héroïque. Merde, je t'ai un peu tiré dessus. Merci. Du coup, les humains, ça serait pas l'unité à Sergent Johnson, du coup? Mais je n'en sais rien. Tu me poses des questions, j'ai joué à Half-Life 2, à Halo 2 une fois dans ma vie, moi. Enfin, je l'ai fini une fois sur 360, après le 3, par contre. J'avais fait le 3 avant. Oui. Ouh, vite, passe par la poudre de cheminette, Arbitataire. Tu vas arriver à Diagon Alley, au chemin de travers. Ouais, par contre, c'est interminable. Mais non, c'est très bien fait, c'est du bon design. Sois pas médisant. Et mais voilà, il y a des gens qui se battent contre des floods. Ah, mais toi, t'as repris le truc, en fait. Ouais, moi, j'ai tracé. Sweeby. C'est pas bien. Pff, alors là, aucune différence, hein. Oui, allô. Un décor. Waouh. Mais bordel! Combien ils sortent? Et pourquoi on a des bottes maintenant? What the fuck? Putain, je comprends que dalle. Je me souviens de ces maps qui étaient bien dégueulasses. Au final, ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient avec le moteur. Hein. Franchement, c'est un peu moins moche. Oh putain! Ah, mais j'ai été bloqué! Alors, il y a quelqu'un qui a jeté une panière à linge sale. Oh là là. Vas-y, il faut sûrement passer par cette grotte là. Oui, oui, mais moi quand j'y suis allé en fait, il y avait. Moi j'y vais en mettant invisible. Vas-y, j'y crois à mort. Non. Alors, le point de contrôle est terminé. C'est par là. Non, par là. Bon, ben, on a toujours pas trouvé l'index sur lequel s'asseoir, là. C'est clairement pas par là. Là, il y a un truc qui a l'air bien. Il y a une grotte là-bas. Où ça? Non mais je crois que c'est de là d'où l'on vient. Non, c'est juste rien. Alors moi je propose que tu sautes là pour qu'on voit ce qui se passe. Dans le grand truc vert. Ok. Faut peut-être protéger le truc des floods, hein. Je sais pas, mais là où je suis tombé, il y avait un lance-roquette. Arbiter, que faites-vous ici? Bonne question. Le parasite est sur nous. Nous devons tenir la position jusqu'à l'arrivée des renforts. Ok, mais il y en a un derrière toi, en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait une... T'as passé une pierre au rein? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe?
c'est pas intéressant, il est déjà mort ce con. De qui, le mec en blanc? Bah non, l'autre gars qui était sur l'autre tourelle. Et le mec en blanc, il est passé où? Ah, il est sur l'autre tourelle, d'accord. Je crois que les autres machins ont bugué, hein. Il y en a un là-bas. Allô? Allô? Il veut pas mourir. Waouh. Attends, c'est sûrement beaucoup plus beau dans l'ancien, ouais. Non. Attention, il y en a un qui arrive à côté de toi, là. Ah bah non, c'est moi, pas... Je te parle comme si t'étais le bot qui était là, quoi. Mais le mec, il voit rien, quoi. Du coup, est-ce que ça revient à défendre une porte dans la bibliothèque chiante, mais avec de la neige autour? Oh, salut! Oh putain! Merci, As! Le mec se fait bouffer la tête! Zlu. Le mec est juste trébuché en arrière, hein. J'ai tué personne. Aïe. Il y en a un qui se chie bien sur la cuisse et qui a balancé la... Ouais. Tu vas voir que quand on aura tué le dernier, là il y aura une musique pour ouvrir la porte et après elle va se recouper. Bah oui, c'est une promesse à l'eau. Allez, on s'enjaille. Boum boum boum, bam 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 bam. Tiens, ressort. Oh, le mec il avait carrément une épée à plasma, je sais pas ce qu'il voulait faire avec. C'est toi qui l'as pris ou foiré? Ouais. Ouais alors. Ouais. Putain, je commence à prendre du plaisir avec le jeu. Et vous avez tout cassé. C'est terminé, oui, bravo. Tu es un champignon alors. Oh putain, merci Dave Devils. Eh oui, la musique de l'orgasme, mais c'est pour ça que je viens de l'arrêter. Oh, mais c'est superbe ça, j'ai reçu un truc de Harry Partridge, mon gars. Tellement magnifique. La clé est au centre de cette zone. Il nous la faut. Pour le beau. Pour le grand voyage. Waouh. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérer l'icône et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Je n'aime pas trop chatouiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. Allez-y, Arthur. On vous rejoint dès l'arrivée. Il va certainement la... Harry va certainement la tweeter, donc je la retweeterai en fait la commission. En attendant, qu'est-ce qu'il vient de se dire, Edouard, dans le jeu là? Bah, qu'en gros, l'icône sacrée était pas loin et que c'était dans cette zone. Regarde, tu as des ghosts, si tu veux. Et je peux les prendre? Bah oui, pique-les. Exécuteur,
Non mais je veux pas ça. Mais attends, mais pourquoi je dois m'asseoir sur le petit siège enfant là? Ferme-la. Donne-moi ça, du courage. Voilà, je suis l'orbitateur. Voilà. Arrête de dommager la place du passager. Et vilain. Oui. Ah oui. Ah le jeu. Il me donne un ghost, oui. Oui. Allez, viens me voir. Oula, attention. Ah franchement, la différence entre les deux jeux se fait difficilement. Hein. Ah bah là oui, là j'avoue que what the fuck. Oh merde, 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 il y a un Terminator. Le mec attention, m'a aimanté et attendez, détruit mon ghost. Sans respect. Pendant que Van Allen nous sort ses petits solo chaloupés. Il sert à rien le mec sur ma tourelle ou... Je pense que ce serait plus efficace sur un tank toi dehors. Y'a pas de tank. Bah si, y'a une espèce d'apparition qu'on a avec nous. Ouais, le petit truc là, sauf que je le pilotais, sauf que c'est un mec qui doit prendre la tourelle. Ah oui, d'accord. Donc du coup, en fait, je me suis fait buter. Mais bordel, mais il me déteste. Quand la musique est bien, quoi. Ah mais elle est que dans la version remaster, en fait. J'étais là, mais bordel, de quelle musique il parle? Ah oui. Mais faut vraiment tout niquer ou se barrer, quoi? Non, tu peux tracer, hein. Ah bon? Mais attends, mais alors... T'es sûr hein? Oui, oui. Ah mais bordel, c'est qu'il y a des, il y a des floods sur des banshees. Bah sur des ghosts, bref. Il y a un tank à l'abandon. Voilà. Je vais calmer tout maintenant. Oh mais c'est incroyable ces trucs. Prendre ton ghost parce qu'il a l'air plus cool. Non, non, y a pas, tu pourras pas tirer avec. Il est en ruine. Non, j'ai l'impression qu'il faut les niquer. Hein. Bah écoute, t'as les deux scorpions qui à la fin. Voilà. C'est fait. Quelqu'un qui m'a tapé. On ne sait pas qui c'est, on ne saura jamais qui c'est. T'es mort? Ah, tu les as bien trop amochés, je les voulais. Mais merde, je pouvais pas conduire une rougne. Oh, c'est toi qui m'as buté ou quoi? Non. En tout cas, t'as l'air content dans ton tank. Les deux versions sont très laides. C'est bon, on peut avancer maintenant. Attends, je vais monter dessus. Mais bordel, pourquoi je peux pas passer en passager? Attends, arrête-toi deux secondes. Non. Non. Salaud. Mais bordel, je peux rien faire. C'est comme dans le niveau là de merde. Oui, c'est ça. Je peux pas venir. Je peux pas monter dessus. Ah oui, là c'est chiant. Là. Reste près de moi parce que sinon tu vas te faire défoncer. Non, ben non. Ben fais-toi défoncer. Mais bordel, c'est pas possible. Je sais bien que c'est moins... Ah putain, mais non, mais là, je ne sais pas quoi choisir. Tout le budget du jeu est passé sur les reflets de larmes, dit Thunder. Ah, c'est pas faux, hein. Oh non, mais là, par contre, les mecs... attendez, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces standards, quoi? Oui. Oh, un vrai décor. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Oh, il est mieux avant, par contre. C'était mieux avant.
Finalement, c'est un peu comme le joueur du grenier à l'eau, hein. C'était mieux avant. C'est vraiment le drone le moins bien pensé du monde. Merci Nano. Narno. Alors, tu vois, ce drone, il génère son propre bouclier invincible. Bon, seulement, ça dépasse un petit peu. Hein. Ça... Alors, tu peux prendre le... Oui. C'est bien. Mais attends, moi je voulais ce Banshee en fait. Attends, ne l'explose pas. Bon, c'est pas grave, je prends l'autre. Je me fais agresser. Mais putain, mais c'est quoi cette combustion spontanée quoi? Mais what? Tout seul. Là, je suis tout seul là? Ouais. Fais gaffe. Mais c'est hideux. Au moins, enfin là au moins j'y vois quelque chose quoi. Je vais gerber. Ah merde, il y a une apparition là-bas. Qui nous tire dessus. Fils de pute, nique ton oncle. Ah. Tiens mais bordel. Oh. Wouh. Voilà, hein, j'ai eu chaud, j'ai utilisé mes skills MLG. Oh, le machin a réduit en poussière un drone. Oh, cette austérité, mon dieu. Mon dieu, il n'y a pas si longtemps, nous étions dans la jungle. Voilà, et tu as niqué tous les ghosts. Non, il y en a un devant moi. Mais ne le nique pas. Laisse-moi le sabord. Non, mais regarde là. Quoi, là, où ça? Juste devant moi. Il marche plus. Mais il est cassé. Ah bah merde. Foiré. Ouais, j'ai tiré qu'une roquette dessus. Hein. Et oui, c'est très sombre. Hein. Mais même pour moi, les amis, hein, c'est hyper sombre. Et encore, hein, j'ai l'impression que sur le retour, vous avez plus de... Vous voyez mieux que moi. Désolé pour ton gosse. Ah, je vais te saborder. Putain, mais j'ai l'impression d'être l'enfant pauvre qui traîne avec les gars qui ont des bicyclettes, quoi. C'est ce que tu es. Mais non, moi le grand frère. Un peu de musique, Benzaï. Bah, j'avoue que... Non. Ça ferait pas de mal, hein. Oh la merde, merde, attendez. Attendez, j'ai pas fait ma playlist. Là, y'a un gosse là. Bute le mec qui est dessus et voilà. Alors là, c'est la plus grosse épave. Voilà, ok, il explose sur le cul. Putain. Désolé. Ah, la musique se réveille, y'a une musique d'enjeu, mon dieu. La musique de la pub chaussée aux moines. Putain. Non. Mais c'est pas possible. Vous allez. Mais. Et le mec m'a agrippé avec son. M'a agrippé mon chat. T'as agrippé ton chat, ouais. Mais il m'a agrippé mon chat. Oh, si tu te oui, crois, allez, c'est ta prise. T'as de ce prêt ton chat. Oui. Oh, bah, il va te le prendre aussi, hein. T'inquiète. Ah oui, non, ça, oui, d'accord. Ça, c'est très chiant, ça. Je sais pas si c'est là qu'il faut aller, si. Voilà. Mais attends, mais là, t'as fait le kawaii, hein. T'as fait le kawaii, mec. T'étais où? Bah, là où faut aller. D'accord, bon, bah, écoutez. Mais moi, je voulais peut-être un truc. Ah, voilà. Ah, putain, mais oui.
Oui, oh oui, oh oui, alors là je dis oui. En fait, une fois que t'en as buté un comme ça, après avec leur arme, ils sont hyper hyper faciles à buter quoi. Mm-hmm. Moi j'ai crevé perso. Mais non. Regarde. Ce niveau n'est absolument pas chiant et routinier en plus. Oh, par contre, il me semble que quand tu joues en solo à nouveau dans la version remasterisée, je sais pas s'il y a pareil dans la version normale, mais les guns, la plasma que tu peux tenir à deux mains, ceux que j'ai dans les mains là, il me semble que tu peux les avoir en version améliorée. Ils sont rouges, non bleus, et ils font plus mal. D'accord, ça je ne savais point. Aïe, je suis mouru. Ah, t'es mort là? Oui. Tu l'as marché sur mon cadavre en plus. Ah merde, ça me fait plaisir. Alors, putain, c'était hideux, bordel. Si ça te fait plaisir, alors. Faut les tuer là, les gens. Il faut faire un truc. Non, maintenant, je pense qu'on peut passer dans le trou. Là? Oui. Non. Oui. T'es où? Je suis derrière toi en fait. Oh putain. Merde. En fait j'aurais pas dû. Ah, t'es où? Je fonce vers l'objectif. Tapin. Respect hein, la personne qui a développé cette map. Nous en aurons vu un dixième. Vas-y, go, cours, Forest, non! Alors non, les amis, comme là, je suis un Krogan. Je n'ai pas de lampe torche. Je n'ai qu'un camouflage optique. Dis-moi que t'as respawn. Oui. Trace ta route. Merde, il y en a qui a une épée. Oui, donc cours. Quand cours comme si tu étais je un veux ce truc là, je veux ce truc là, je veux ce truc là. Tapa tapin. Merde, c'est par où? Merde, c'est par où? Merde. Merci. Je t'ai tapé. Mais tu m'as renversé même, tu m'as assassiné. Mais attends, mais on n'est pas là où on était mort tout à l'heure? On n'a pas genre fait le tour là? Non. Putain, mais c'est exactement le même endroit quoi, sauf qu'on est arrivé de l'autre côté. Fonce dans le tube. Ah, ah oui. Encore une fois, je vois que tu t'es arrangé pour avoir le scorpion et l'arme stylée quoi. Oui. Mais c'est quoi ce mortier là? Putain, mais tu te bouffes un max de trucs. Non, je me les bouffe pas en fait. Je sais pas d'où ça sort quoi. C'est moi ou Benzoy sans corlus du chat? Eh ben non. Pourquoi à chaque fois que je vois un râleur, bizarrement je l'ai lu? C'est pas grave si vous dites pas des trucs pertinents et que je ne relève pas. Vous voyez bien que je m'enjaille totalement sur le jeu, c'est pour ça que je ne lis pas le chat. Mais bizarrement là je le lisais. Tiens, ben, je te laisse le gosse. Et je suis mort parce que je n'ai pas de de... Oh non, mais le mec il a une espèce de canon gosse de fou de merde. De fou de merde. De fou de merde. Oh non. Quoi, on revient là? Non mais attends, mais moi je me mets en invisible et je fais le café et je repasse. Et floupe. Ah merde, ils sont beaucoup très nombreux. Oui. Mais t'as spawn où toi? Ah mais t'es derrière moi. Mais moi je suis là. Quoi? Mais attends, mais comment t'as pas... Mais attends, mais tu peux pas être de l'autre côté, tu peux pas être là-bas. Si. Non. Si. Si. Mais attends, mais le jeu a bugué ou quoi? Mais le machin, il captait rien du tout. Les deux. T'as pas tapin.
Un véhicule! Bordel! Merde, je suis mort. Bravo. Bravo le veau. Pourquoi on respawn là, ouais? Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il y avait vraiment un ghost qui foutait rien là. Mais oui! Un ghost en free to play! Bon, j'essaie d'en prendre un aussi. Mais par contre, je sais pas où faut aller. Faut prendre un ghost et tracer. Ok. Putain, je me suis pas retrouvé. Là, je monte. Ok, vous me dites? Je suis sur la bonne voie, Luc. La suite de l'histoire est à la porte de la pyramide, ok. Mais non! Mais il y a un enfoiré d'apparition que tu vas booster dedans et qui s'est foutu en l'air, mais il m'a foutu en l'air aussi. Bah, j'ai respawn. Ça va, il y a encore un scorpion. Mais bordel, on voit rien en jeu, bordel de merde! Viens là, toi du con là, joueur! C'était bien sécos comme il faut. De toute façon, on n'a plus besoin de véhicule. Enfin, tu peux peut-être passer avec un ghost. Mais non, mais ouais, mais même j'ai un fucking bazooka. Et voilà. Ah, des coupins. Des coupins. Quoi? Oui, des coupins. Mais non, mais reviens. Mais non, mais va pas là. Ok, va te faire pause. On avait des coupins, mais ils sont partis. Ah oui, d'accord, c'est que ça, ça s'ouvre, ok. Non mais suicide-toi, hein. Bah, pourquoi je me suiciderais? Bah, je sais pas, moi je suis de l'autre côté. Voilà, là tu vas respawner dans le coin, là, on va être tranquille, on va être bien, on va se mettre bien, vas-y. Je fais des saucisses. Putain, mais d'accord, c'est qu'en fait le jeu m'a fait respawner en arrière. Mais très bien. Bon bah, de toute façon j'ai pas d'arme, je me jette dans le vide. C'est vrai qu'on voit rien. Oh. C'est pas grave. Edouard, c'est fini. Comment ça? Eh ben c'est terminé, regarde. On a fini la mission. Mais non. Bah si. Attends, moi je joue la cinématique. Tu vas pas la cinématique là? Non. C'est vrai? Oui. Mais attends, mais je déconne pas, regarde, je monte le son, tu veux entendre les dialogues, hein. D'autres humains, ils doivent... Mais d'accord, mais moi je suis encore en jeu, là. Mais je suis en train de te tuer. Mais what the fuck? Je m'occupe de ces vermines. Bon, chute, tais-toi, on écoute. Mais là, t'es là, maintenant? Non. Bah, c'est qui le mec qui joue avec moi? Mais c'est pas moi. Quoi? Mais... Regardez, là-haut. C'est pas le toi, là. Va passer à l'attaque. Où ça? Bah là, en face de moi, là. Mais pourquoi tu regardes un grand mur? C'est vrai? Oui. Tu dé... Mais attends, mais tu déconnes. Attends, tire-moi dessus si tu me vois. Bah là, je te tape dessus à l'épée, bordel de merde. Mais pas du tout. Moi, je te vois avec un flingue en train de tirer et balancer des grenades. Alors, attends, là, il y a eu un... Est-ce que quelqu'un a une explication logique à ce qui s'est passé? Là, je viens de te tuer, là. Benzaï, cette partie est buggée, il faut continuer. Ah d'accord, ok. Donc en fait, quand tu actives ce truc-là, c'est foutu. Et il n'y a plus de jeu et il se passe rien. Donc attends, on va bien voir ce qui se passe quand j'aurai fini ce truc où il se passe rien, de toute façon. D'accord, ok. Vas-y, je te regarde.
Enfin non, je te regarde pas, mais... Ah, c'est putain de mystique, là. What the fucking shit?